Réorganisation du gouvernement de Païmi Padak et Albert, de 37 ministres, l'équipe gouvernementale actuelle est réduite à 24 membres. On note des fusions, des départements, des départs et bien évidemment des entrées à suivre en volet 1 de ce journal. Les chrétiens du monde ont célébré ce 25 décembre la naissance de Jésus-Christ. Dans notre pays, les différentes églises ont commémoré la fête de la Nativité. Retour en son image dans ce journal. Et puis le président turc Recep Tayyip Erdogan est attendu dans les heures qui suivent dans notre pays, une visite aux grands enjeux. En attendant, notre rédaction a revisité les liens de coopération entre les deux pays. C'est tout pour le sommaire. Joyeuse fête de Noël à tous et merci d'être au rendez-vous. Des informations sur Télé-Tchad. Où je le disais au sommaire que le gouvernement a été réorganisé hier. De 37 ministres, l'équipe gouvernementale actuelle est réduite à 24. On note des fusions des départements, des départs, tout comme des entrées. La configuration de cette nouvelle équipe, nous l'aurons dans le cours de ce journal. La communauté chrétienne à travers le monde a célébré ce 25 décembre la naissance de Jésus-Christ sur place N'Djamena à la cathédrale Notre-Dame de la Paix. Les fidèles de cette église ont veillé pour attendre la naissance de Jésus. La messe de la veillée a été dite par l'archevêque de N'Djamena, Mgr Edmond Ditengar Godbi, en présence du Premier ministre Païmi Padak et Albert. Retour en son et en image sur cette cérémonie avec Apolline Gagny. L'Église catholique de N'Djamena commémore la naissance du Fils de Dieu. Cette naissance qui était annoncée par les prophètes à l'exemple d'Ésaïe est devenue réalité. Dans son homélie, l'archevêque métropolitain de N'Djamena appelle les fidèles chrétiens à suivre l'exemple de Jésus-Christ pour la transformation de la société tchadienne. À la fin de la célébration eucharistique, Mgr Edmond Ditengar Godbe est le Premier ministre. Païmi Padak et Albert ont visité tour à tour la crèche. Cette crèche rappelle les conditions dans lesquelles l'enfant Jésus-Christ est né. Le Fils de Dieu, né de la Vierge Marie, est déposé dans une mangeoire d'une bergerie. À l'entrée de cette crèche, l'on remarque des objets ordinaires mais pleins de sens. Il s'agit d'une bassine qui représente le bateau utilisé par les migrants clandestins pour se rendre en Europe. Les habits éparpillés à côté de cette bassine symbolisent ceux des migrants clandestins noyés dans la mer. Ces images constituent un message fort de l'Église pour la lutte contre l'immigration clandestine qui ne cesse d'endeuiller le monde. La joie d'avoir accueilli Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité, est à son comble. À l'église fraternelle luthérienne, les fidèles ont également célébré la fête de la Nativité. Reportage Varela Djé. Au sein de l'église fraternelle luthérienne au Tchad, les fidèles de ce lieu de culte célèbrent la fête de Noël sous le thème « La véracité sur la naissance de Jésus-Christ ». Ce thème est une invite pour les chrétiens à comprendre davantage la vie du Christ. La naissance de Jésus était d'abord prophétisée par les prophètes qui ont travaillé de la part de Dieu plus de 700 ans. Et cette programmation de la naissance a été accomplie dans l'histoire. Nous voulons édifier nos fidèles par rapport à la naissance de Jésus, qui est un événement exceptionnel, mais que les gens ne prennent pas comme un événement vulgaire ou un événement pour la fête des enfants. Le responsable de cette église, quant à lui, invite les Tchadiens à cultiver l'unité, véritable levier de cohésion sociale. La fête de la Nativité est une occasion aussi pour les fidèles d'adresser leurs vœux à leurs proches. Je souhaite une bonne fête à tous mes amis, à tous mes parents, à tous les fidèles de l'église et que la paix du Seigneur soit avec eux. Joyeux Noël d'abord à mon papa, à ma maman, à ma grand-mère
et en particulier à ma chorale, la voix de David. Cette fête de la Nativité est également un moment unique et une occasion pour les fidèles chrétiens de renouveler leur foi envers Jésus-Christ, dont ils le considèrent comme le Fils unique de Dieu envoyé pour sauver toute l'humanité. Les fidèles de l'église Montagne de la Restauration de Gassi dans le 7e arrondissement ont organisé une prière à l'occasion de l'anniversaire de la naissance de Jésus-Christ, nous dit Varéladier une fois de plus. La fête de Noël ou de Nativité se célèbre ce 25 décembre. Un moment de partage et de communion de cette date qui marque la naissance du Christ. C'est dans l'optique de commémorer cette fête que les fidèles de l'église Montagne de la Restauration de Gassi organisent cette rencontre. Tu es tout pour moi, réunis autour de la prophétesse Nujuam Gloria, ces fidèles veulent à travers cette prière manifester leur amour envers Jésus-Christ. Comme il y pensa, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle conçut vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Cette cellule de prière a été marquée par les témoignages et les poèmes. Des témoignages qui illustrent des actions de la prophétesse Nujuam Gloria à l'endroit des fidèles de ce lieu de culte. La jeunesse évangélique africaine de l'EET numéro 12 a célébré la naissance du Christ au stade municipal de Paris-Congo. On en parle avec Amanisa Kazina. La jeunesse évangélique africaine de l'EET numéro 12 célèbre avec joie et allégresse les festivités marquant la naissance de Jésus-Christ. Une occasion pour les fidèles de cette église de réaffirmer leur attachement à Dieu et d'annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations. Placée sous le thème « Évangéliser à temps et à contre-temps », la fête de Noël est un moment solennel pour les chrétiens de rendre grâce à Dieu, mais également de témoigner des merveilles faites en leur faveur à travers la déclamation des poèmes, des chants et les sketchs présentés par les enfants des troupes. L'on peut retenir comme message que rien ne peut se faire sans la volonté de Dieu. Oh Jésus, reviens pour moi s'il te plaît. La fête de la Nativité est également célébrée dans les églises, tout comme dans les établissements scolaires. Une de nos équipes s'est rendue dans un complexe scolaire et aussi dans l'église évangélique Maranatha. Regardez. Le complexe scolaire bilingue Saint-Benoît commémore la naissance de Jésus-Christ avec joie et allégresse. Et cela à travers des danses, des chansons portant sur la paix et l'unité des Tchadiens et surtout l'artiste comédien et humoriste Jafat qui a tenu en haleine le public. Le complexe voudrait à travers cette soirée célébrer ensemble avec les enfants la naissance de Jésus-Christ. Une occasion pour le directeur du complexe Saint-Benoît, Louis Asingar Djimeti, et le représentant de la fondatrice Mahamad Djimadingar de rappeler aux parents d'enfants leurs devoirs envers leur progéniture. Quelques élèves qui se sont distingués pendant ce premier trimestre ont reçu des cadeaux. À l'église évangélique Maranatha, c'est un culte spécial de Noël qui est célébré avec les voisins de la dite église et la population du 7e arrondissement. Là également, les enfants sont à l'honneur. Pour le président des œuvres et missions évangéliques Maranatha, Yombatina Beni, ce culte est une occasion de rendre grâce à Dieu pour sa fidélité. Il souligne par la même occasion que l'Église ne doit non seulement prier, mais aussi aider à lutter contre les maux qui minent la société.
Qu'en est-il de la célébration de la fête de Noël à Amdjaras dans le Nidiest? Notre équipe sur place a fait un tour dans les églises de la ville. Regardez. Très tôt ce 25 décembre, les fidèles de l'Assemblée chrétienne de la ville d'Amdjaras se sont retrouvés dans leur église pour célébrer la fête de Noël. Un véritable moment de retrouvailles pour ces derniers, pour rendre grâce à Dieu pour sa miséricorde envers les chrétiens. Le pasteur de l'Assemblée chrétienne d'Amdjaras, Abaga Kwago Saoul, a dans son prêche invité les fidèles chrétiens à se rappeler de cette date et à suivre l'exemple de Jésus-Christ. Les fidèles catholiques d'Amdjaras, quant à eux, se sont donnés rendez-vous dans leur communauté pour célébrer cette fête de Noël. Une célébration marquée par le chant, louange et adoration pour remercier Dieu d'avoir envoyé son fils Jésus-Christ pour sauver l'humanité. Le prêtre célébrant de la messe, Djingam Noudifilemoa, dans son homilie, édifiait largement les fidèles sur l'importance de la célébration de cette fête. Pour lui, il est un devoir pour tout chrétien de célébrer la fête de Noël. Les fidèles chrétiens de l'entente des églises et missions évangéliques au Tchad d'Amdjaras et aussi ne sont pas restés en marge de la célébration de cette fête de Noël. Enfants, jeunes et vieux ont fait le déplacement pour marquer d'une pierre blanche cet événement. Le secrétaire général de la région de l'Unidi-Est, Mahab Mara, qui a assisté au culte, a exhorté les fidèles chrétiens à continuer de prier pour la paix et l'unité des Tchadiens. La Noël est une occasion pour les enfants de recevoir des cadeaux de leurs parents ou des proches, des cadeaux que le Père Noël se charge de donner à chaque enfant. Mais qui est vraiment ce personnage de Père Noël? Habituellement, il est habillé en tenue rouge avec un bonnet sous la tête. Découvrons ensemble donc le personnage de Père Noël dans ce reportage de Amanisa Kazina. Bonjour les enfants, et les plus grands aussi. Noël arrive à grands pas. Appelé Father Christmas en anglais, Père Noël en français, ou encore Weihnachtsmann en allemand, le Père Noël est un personnage folklorique, archétypal et mythique lié à la fête de Noël, lequel personnage apparaît dans sa représentation actuelle au milieu du 19e siècle en Occident. Si Noël renvoie au jour de la nativité, le jour de naissance du Christ, le Père Noël est donc avant tout rattaché ipso facto à une fête chrétienne. Une fête pendant laquelle les chrétiens du monde entier consacrent la moitié de leur temps à la célébration de la naissance de Jésus. Ce qui nous amène dès lors à affirmer sans risque de se tromper que la tradition du Père Noël semble donc avoir des origines en Europe du Nord. Un autre signe distinctif et non le moindre est le vestimentaire de ces personnages aussi importants dans le milieu chrétien. Le Père Noël a-t-il toujours été en habit rouge avec une barbe et un bonnet pointu? Non, puisque l'histoire nous apprend que l'imagerie française le montre vers 1870 en vieil homme habillé d'un manteau principalement vert et parfois bleu, puis un peu avant 1914, il s'habille de rouge. Le Père Noël tel que nous le connaissons aujourd'hui est issu d'un triple mouvement en profondeur, l'américanisation, l'uniformisation et la déchristianisation. Il est popularisé dans la deuxième moitié du 19e siècle aux États-Unis, nation d'immigrants en majorité des protestants qui rapportent avec eux les traditions européennes et les légendes des pays froids, leurs reines, leurs lutins et leurs sapins. Quoi qu'il en soit, l'on retiendra que la fonction principale de Père Noël est de distribuer des cadeaux aux enfants dans les maisons pendant la nuit de Noël qui a lieu chaque année du 24 au 25 décembre. Une pratique qui rappelle le moment de naissance de Jésus-Christ qui avait en son temps reçu des mains des personnes adultes des imminents cadeaux. Non seulement que cela rappelle l'enfance de Jésus-Christ lui-même qui avait échappé des justesses de mort, mais également, le Père Noël est la manifestation d'un attachement d'amour que les chrétiens adultes accordent à la vie de l'enfant Jésus. Aujourd'hui, le Père Noël est également utilisé le 25 décembre dans des pays n'ayant pas de tradition chrétienne, tels que la Chine, comme outil de vente et occasion d'offrir des cadeaux, de décorer la ville et de réunir la famille. Même si le mythe peut varier fortement d'une région à l'autre, notamment à cause du climat du 25 décembre qui peut aller du début de l'hiver
dans l'hémisphère nord au début de l'été dans l'hémisphère sud, on l'imagine généralement comme un gros homme avec une longue barbe blanche, habillé de vêtements de couleur rouge et généralement avec un bonnet pointu. Parlant des cadeaux, justement, la Fondation Grand Cœur est allée fêter la Noël avec les enfants réfugiés de la République centrafricaine et les déplacés tchadiens du camp de Sido et de Maïngama dans le Moyen Chari. Adef Ahmad Berrahma. La Fondation Grand Cœur qui dirige la première dame Hinde Debi Itno met la joie dans le cœur des enfants des réfugiés de la RCA et des déplacés tchadiens des camps de Sido et de Maïngama en cette fête de Noël et de Nouvel An. La délégation conduite par Ahmad Taboy est allée remettre les cadeaux des fêtes, des cadeaux constitués des habits, des chaussures, jouets, savons et des biens d'autres. Par ces gestes, la première dame à travers sa fondation voudrait partager la joie et la communion en ces moments festifs avec cette couche sociale qui nécessite affection et une attention soutenue. L'expression de joie se lit sur les visages des enfants et de leurs parents fortement mobilisés. Un sentiment de fierté anime les bénéficiaires. À l'église baptiste Mid-Mission de Sido, la fête a été aussi belle. Les enfants autour de l'arbre de Noël étaient tous joyeux. Chacun a reçu son cadeau des mains des membres de la Fondation Grand Cœur. Pour ces enfants, c'est un moment merveilleux. Des mots de reconnaissance sont exprimés à travers diverses prestations, chants et récitations. L'équipe de Ahmad Taboy a aussi remis aux responsables des réfugiés et déplacés des Sido et des Maïngama des bœufs pour les repas des fêtes. Pour le chef de mission, la première dame est très sensible à la situation des couches vulnérables. Il situe ensuite le sens du geste. C'est la première dame, présidente fondatrice de la Fondation Grand Cœur, qui a voulu être ici, dans cette région, très éprouvée, pour accompagner ses enfants, mais aussi les hommes et les femmes qui ont des petits problèmes. Elle nous a aussi demandé de remettre son nom pour le repas de Noël des vaches et aussi donner quelque chose pour faire la sauce pour la fête de réveillon. Et un constat, c'est qu'il y a beaucoup d'ethnies qui se mélangent ici, aussi bien de la Centrafrique, du Soudan, du Tchad que toutes les composantes communautaires. Et ça, c'est un milieu où je pense que l'action de la Fondation Grand Cœur, la mission que nous a confiée la Première Dame, a touché les cœurs. Mon vœu, c'est la paix d'abord, parce que vous savez qu'en dehors de la paix, on ne construit rien. Pour que ces enfants puissent dormir, se réveiller, grandir, aller à l'école, se former et devenir des citoyens de demain. Le président du camp des déplacés de Maïngama, Yakoub Mikaïl, et les pasteurs de l'église n'ont pas caché leur joie. Ils témoignent toutes les reconnaissances. Que Dieu la donne du courage pour qu'elle continue en avance. Et on prie aussi pour la paix durable dans le pays Tchad. L'acte posé par la Fondation Grand Cœur à l'endroit des enfants a réconforté le préfet du département de la Grande Sido, Mohamed Saleh Chérif. En moins d'un an, se félicite cette personnalité. La Fondation est intervenue 3 fois en faveur des couches vulnérables de sa circonscription. Les enfants handicapés ont eux aussi reçu des cadeaux offerts par le ministère de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale. Amadia Yabas. Bien qu'ils ne jouissent pas de toutes leurs facultés physiques, ces enfants ne se mettent pas en marge de la société. Ces enfants sourds-muets, non-voyants et mutilés, comme tous les enfants bien portants du monde, vivent eux aussi la joie de la nativité du Christ. Cette joie, ils la traduisent par les chants, les récitations et les poèmes qu'ils déclament. Le comité de bourse pour handicapés et enfants nécessités Koben, qui œuvre depuis 28 ans pour l'éducation, la formation et l'encadrement de ces enfants, ne cesse de croire en leurs talents. Nous disons à Koben que la personne handicapée est dotée d'une forte
capacité à affronter toutes les situations. La secrétaire générale adjointe du ministère de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale, Moudal Baya Pauline, et les officiels ont remis des cadeaux de Noël à ses enfants. Cette célébration de Noël a été également l'occasion de remise de matériel de travail aux jeunes qui ont suivi 9 mois de formation en couture. Ceci pour assurer l'autonomisation et l'insertion socio-économique de ces jeunes en situation de handicap. Sachez également qu'à l'église numéro 12, les fidèles de l'entente des églises missions évangéliques au Tchad ont chanté et prié à l'occasion de la naissance de Jésus-Christ. C'est le secrétaire général de l'EMET, Bateng Kaligé, qui a présidé le culte. Retour sur la cérémonie avec Dion Ginestor. C'est au rythme des instruments traditionnels et modernes que les fidèles chrétiens de l'entente des églises et missions évangéliques au Tchad, EMET, célèbrent la naissance de Jésus-Christ, comme il est écrit dans le livre de Psaume 150. C'est une rencontre riche en couleurs qui a permis aux 8 dénominations de s'unir pour louer, adorer et proclamer la venue du Christ, ayant pour thème « Afin que tout soit un », l'anniversaire de la naissance de Jésus-Christ de cette année n'a pas été célébré qu'en français, mais aussi en arabe. Cette commémoration a été une opportunité pour le pasteur Nadumgar Mardoché d'exhorter les fidèles sur la venue de Jésus-Christ sur la terre. Le pasteur Mardoché, dans sa prédication, tirée du livre de Luc au chapitre 1, versets 26 à 38, demande aux fidèles chrétiens d'être des instruments d'honneur et de gloire de Dieu, à l'exemple de Marie et de Joseph qui ont été des instruments pour lui afin que le Messie puisse naître sur la terre au milieu des hommes. Les enfants de l'école du dimanche ont aussi marqué d'une tache d'huile de leur présence. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils puissent habiter ensemble. Les vœux de Noël ont été également adressés au monde entier et à la population tchadienne en particulier. Le Christ est né, il commencera à accomplir la volonté de Dieu. Et les fidèles chrétiens, eux aussi, se sont donné rendez-vous, si Dieu voulant, le 25 décembre 2018. Parlons à présent de la fête de Noël hors des églises, la fête en ville. C'est un reportage de Salila Moussassa. C'est avec une ambiance immense que les fidèles chrétiens de la capitale, hommes, femmes, enfants, habillés avec des habits neufs, célèbrent le 25 décembre la fête de Noël qui marque le jour de la naissance du Christ. Tous ont pris d'assaut les grandes artères de la capitale pour honorer et montrer l'importance de cette fête, bien que ce soit l'occasion rêvée pour les parents de faire plaisir aux enfants, les adultes aussi s'y mettent. À cette occasion, certains fidèles profitent pour rendre visite aux parents, voisins et amis, car la fête de Noël, c'est aussi un moment de partage. Les forces de l'ordre se sont mobilisées pour assurer la sécurité à la population pendant cette fête. Qu'y a-t-il en termes de bilan côté sécurité? Voici donc les explications du porte-parole de la police nationale, Paul Manga. Regardez. Nous avons enregistré 20 cas d'accidents de la voie publique, dont un mortel avec délit de fuite, 3 graves, 11 légers et 5 chutes libres. Il y a un cas de meurtre à Walia. Et pour les autres régions du pays, nous avons eu à dénombrer 20 cas d'accidents de la voie publique, dont un mortel, plus précisément à Pala. 9 cas de coups et blessures volontaires, dont 2 graves. Comparativement à la fête de Noël de 2016, le bilan est en hausse. Et je voudrais aussi vous signaler qu'il y a eu un cas
d'incendie à N'Djamena, dans le secteur du CSP6, où il y a eu un mort et 3 blessés graves. Et cela est surtout dû à la conduite en état d'ivresse et au non-respect de la code de la route. Donc nous en appelons au bon sens de nos concitoyens pour les prochaines fêtes, pour que le bonheur qu'ils souhaitent ne se transforme pas en malheur. Qu'ils doivent consommer avec modération et demeurer aussi vigilants, car la menace terroriste est toujours là. Que la population n'hésite pas à signaler les personnes suspectes ou les colis suspects aux forces de l'ordre ou aux autres responsables administratifs. Voilà ce qui est de la célébration de la fête de Noël.